بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Répète ce qu'il nous expliquait semaine passée. Mais pour commencer par un point qui était cité semaine passée, parce qu'il est tellement important. Ensuite, nous pouvons continuer deuxième partie. Et mon frère, mon soeur qui pas fin écoute première partie, il est déjà au Facebook, il est déjà au YouTube. Et Inch'Allah, je vais contacter l'imam aussi. Je vais gagner. Je ne sais pas si il y a un groupe dans Masjid, WhatsApp ou bien il y a un website aussi pour Masjid. Je vais gagner ça les sons là. Il est capable de bénéficier de nous. Premier point qui... Ça, c'est un point que nous allons discuter aujourd'hui. Premier point, c'est... Ça... Premier point là, il est parmi une perception, on ne peut pas dire conception, qui est capable de faire nos communautés, il est capable de venir parmi une raison qui fait nos communautés en retard. Il n'est pas possible qu'il... Par exemple, dans le Japon, l'ON bus stop, un exemple, comment dire, un bus bizarre passe 10 fois dans sa bus stop là, et dans sa 10 fois là, il y a ce lait qui est fixé. Tout le monde connaît ça, lait là, il est bizarre passé, et dans un an, ils ont mis une minorité. Alors, ça, c'est une chose qui demande que l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réfléchit. Je ne trouvais qu'il s'est même passé, première conférence sioniste, c'est 1897, dans la Suisse. Première conférence. Depuis qu'il décide sa conférence, là, ça veut dire, ben, on peut appeler ça un rôle, ce plan, ou ça déroule ce plan, d'après qu'ils ont calculé depuis 1897, qu'il arrive 55 000 juifs dans Palestine, parce que le premier groupe, c'est 20 000. Ensuite, dans 1897, il y en a 95, 35 000, il fait 55 000 juifs. Alors, travail-là continue même. Mais de travail-là, comment dire, à aucun moment, nous pas tant... Mais Allah pas nous l'est. Allah nous l'est. Nous pas tant ça du tout. Il demande que l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il réfléchit. Et dans Hijra de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ce Hijra, il vient après Mi'raj. Quand Mi'raj, c'est un voyage nocturne, miraculeux, il est capable d'être considéré comme deuxième plus grand miracle après Al-Qur'an. Alors, pourtant, l'État nous guette sur planification, les rasouls, sallallahu alayhi wa sallam, les faits traversent le bourak, les faits voyagent le bourak. Mais quand il s'agit de l'événement le plus important de la communauté musulmane, c'était Al-Hijra. Parce que là, c'est un hijra pour sortir, tout quelque chose pour déclencher, tout quelque chose pour déclencher après hijra. L'État nous analyse, moi, par contre, j'ai déjà fait une leçon, le sira. L'État nous analyse, planification, on peut dire planification de Sayyidul Mursalin. Mu'ayyad, les mu'ayyad min Allah Azza wa Jalla, il déjà être supporté par Allah, mais sa quantité de précaution et préparation qu'il doit faire pour faire hijra là, lui montrer que si Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut penser que de la façon qu'il nous peut vivre, de la façon qu'il nous peut manger, de la façon qu'il nous comprend et de la façon qu'il nous peut réagir, de sa façon là, nous pouvons pour la victoire et ça l'islam qui court en India pour prévaloir l'olaté Allah, non pas nous ça. Pas nous. Pas possible. Bon, comment on peut dire nous là, on ne peut pas dire zut, on peut dire nous, la communauté musulmane. Parmi les choses qui nous font retard,
c'est sa perception qui se peut trouver dans le tableau là, les autres et les infos. Moi, je finis d'expliquer la semaine passée. Mon père recommence par ça point là cette semaine parce que si dans nous la vie nous comprenons ça, ou quand trouve un jour, il peut expliquer une grande explication. Moi, appelle ça casier. Il y a un monde qui a le nouveau mot damtique. Quand je dis damtique, qui veut dire pas qu'à bouger. Alors, qui est arrivé, sa explication là, sa point là, c'est un point que tu es capable d'arriver qui, dans la communauté musulmane, nous avons sa perception là, il fait nous faire tort. Donc, concernant le cas de Palestine et Israël, si nous dire qu'il y a un hadith qui ressemble à mon deuxième hadith, la taqoumu sa'atu, hatta tuqatilu al-yahoud, jamais, qu'il pas bouvini, aussi longtemps qu'ils ne sont pas largués avec mon yahoud, ou hatta yakoul al-hajaru wara'ahu yahoudi, un muslim, hada yahoud wara'ahu yakhtulhu, jusqu'à qu'il les arbres ou bien les pierres, pour dire aux musulmans, alors y a moi, il y a un yahoudi qui est caché, tu y lis. Ce hadith là, c'est une information ça ou c'est une loi d'Allah ça? Comment je te comprends ça là? C'est une information qui peut arriver un jour, pour arriver ça, qui n'est pas bon, pour arriver ça. Oui, non. Basé là, si nous disons, nous ne visons pas la guerre de Palestine, nous ne visons pas défendre du sang de nos frères, nous ne visons pas défendre nous la terre, c'est même qui appelle, je prends les informations, je mets en pratique, et m'oublie, man l'autre, Allah qui nous donne nous, qui farase l'eau nous, je ne pas mettre en pratique. Claire? Bon, je donne plusieurs exemples, mais là, on trappe ça l'exemple là. Concernant Palestine et Israël, que si les musulmans se disent, il finit de dire, pas finit de dire, nous pouvons victoire un jour, là qui nous fait nous assiser, nous mangeons pistache, nous cinéma. Parce que qui fait l'erreur, la perception fausse que la communauté capable de rentrer là-dedans, c'est qu'Allah finit de promettre nous pour gagner et nous pouvons victoire, alors qui fait nous besoin de la guerre, c'est-à-dire. C'est qui les musulmans ne peuvent pas comprendre que ça résultat qu'il y a dans ce hadith-là, c'est une culmination de sa man action qui man frère et man sœur peut faire dans le monde. Là, il amène vers ça solution qui nous porte victoire au Yahoud. Assisé après un seul jour comme ça, un seul coup, paraître comme le Rasoul Sassam, dit tout sur la vie, pas ni dans ça. Sa forme de conception qui, moi assisé, moi t'en hadith réalisé, et moi promis man qui pour réaliser ce hadith-là, à aucun moment. Par contre, dans le Coran, elle a dit, wa ma lakum. لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آية القرآن لا بتجازون ده بعسيدة سورة توبة على جاي أيها الذين آمنوا ما لكم أو بنكنا إيمان ما لكم كيف زد إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض كما جازون سورة في سبيل الله زد دي بين بلانتي لولاتير En place d'India qui arrive zut, et ici dans Surah An-Nisa, là-bas dans Surah Tauba, ici dans Surah An-Nisa, Allah dit, Wama lakum, alors qui peut arriver zut, la tuqatiluna fi sabilillah, je vais pas payer la guerre d'Asmi Allah. Quand il y a un man faible parmi les hommes, les dames, les enfants, peut crier au secours, nous pas faire rien. Quand pas faire rien, quand pas venir deux types de personnes. Il y a un qui a une anesthésie, man, il met une piquille, il n'est pas senti rien, et il y a un qui pas capable de faire rien. Donc, qui groupe multiplie qu'on a été? Et il y en a l'autre qui n'est pas capable de faire, il n'est pas fait. Et il y en a l'autre, quatrième catégorie, il peut comploter tout contre tout. Quatre catégories du monde. Numéro N. Il n'a pas senti non, il est même. Parce que qui fait, il y a une anesthésie. Sa anesthésie, il est capable à travers ce l'attachement qui est donné avec lui. Ou bien il est capable à cause de son affiliation avec certains diamants ou bien certains savants. Qui met une anesthésie avec lui, il ne fait pas comprendre rien. Ça, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, il comprend, il souffre, il peut comprendre sa difficulté et sa pharase qu'il a dit là, mais il peut rien pour faire. Nous pouvons la fin de l'explication aujourd'hui. Qui est capable de faire? Quand il comprend, qui est capable de faire? Numéro 2. Troisième groupe, c'est ban qui a la capacité, la possibilité de faire quelque chose, pas faire. Ça n'est pas grave. Et quatrième catégorie, c'est celui qui peut participer avec ça. Atrocité là, ça n'est pas sur halat. Je finis comment. Et si ça, c'est le premier plan. Alors, premier point qui m'a envie, qui m'a fait, bien sûr, comprend, dans le Coran et dans le Sunna, il y a une information qui a l'air sur la Sunna donnée. Et il y a l'autre qui a l'air donnée dans le même sujet.
C'est que la communauté fait dans place qu'il prend les autres, qui a l'air de donner sur le sujet, il prend les informations pour y assis en place qu'il va faire non. Et un parmi les sujets, c'est moins de autres ici, ça a dit que ça va être courant. Deuxième point. La situation présente. Vas-tu dire? La situation présente. Dans la situation présente, première raison principale, parmi les raisons principales, que la communauté subit dans Palestine et dans les autres places qu'on peut subir, pas juste dans Palestine qu'on peut subir, dans les autres places qu'on peut subir, c'est à cause musulman in défier en l'enseignement Allah, en l'ode Allah, qui fait ta faire l'avance. Il n'y a pas tant que tu as fini de vivre 50 bananes, après tu comprends. Quelle situation, certains pays golf en ce moment. Certains. Et n'a pas commencé à gagner pays, pour tout le monde. Vous trouvez qu'il est arrivé là? Mais at the end of the game, l'ennemi Allah, c'est l'ennemi Allah. Comprends bien, moi je suis des affaires. Nous avons un beast, nous avons un taureau féroce. Taureau féroce peut faire camarade à toi. Combien de temps il peut faire camarade à toi? À vie, vous savez vous faire camarade dans un certain temps, quand on finit, vente de confiance avec taureau, il peut avoir le toit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas les la communauté musulmane, qui n'a même iman, le Allah, le Rasoul, le Yom al-Akhir, le Coran, qui ne passe pas une mauvaise expérience, après tu dis, nous pas tu connais. Quelque chose qui fait affaire l'avance en tant qu'un mu'min, en tant qu'un musulman, c'est quand tu trappes les injonctions coraniques, te trappe les enseignements Coran avec Sunna, tu fais l'avance. Et là, on dit, 20 ans, on roule avec Baïla, après 20 ans, on a le trouvé. Mais si tu appliques un exemple, on dit, on dit, on roule au moins 20 ans, depuis 1980, 2000, il est mort sur moi, le 2020, il a découvert moins de rapace, par exemple. Mais si tu écoutes l'autre, Alex, sur le Sous, tu n'as pas même affilié avec quelqu'un. Ton affiliation, c'est avec Kitab ou Sunna tout seul. C'est avec l'islam tout seul. Ce n'est pas avec Jamaat X, Y, Z. Mais quand un musulman, dans toute facette de la vie, le djimoun, il prend l'intérêt. Après, il vient, il dit, mon petit Jésus, vraiment, c'est Allah, bien dire, ça l'intérêt. Là, ça la déclaration, la guerre avec Allah et son Rasoul. Quand il peut subir, il vient dire ça. Mais si tu écoutes l'autre Allah, depuis le commencement, tu ne vas pas subir. Quand Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, mon petit l'exemple de plusieurs injonctions, règlements, qui y en a dans le Coran et dans le Sunna, si un musulman met les en pratique, tu ne vas pas faire retard. Tu fais l'avance de la vie. Mais comprends ce que je veux dire là. Et tu as. Non, tu as trouvé une écrit là-bas. Islo. Comment c'est écrit? Demande un mot exact. Comment nous dire quand nous sommes venus au sommet et nous sommes fouillés. Dis-moi, nous sommes fouillés. Islo, your speed. Excavation works ahead. Qui dit? Reduce your speed. Qui vous fait? Ou accélère plus encore. Et d'arriver, dis-moi, tu tombes dans tout. C'est là qui vous dit. Mais parce qu'il y a une injonction quelque part de me casser. Quand Allah dit wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dit aux croyants de baisser leur regard. Il pas baisse du tout regard là quand tu me dis tombe dans zina. Il dit oh Allah pardonne-moi. Allah pour pardonner, il pas pas pour pardonner. Mais seulement si tu dis écoute règlement numéro 1 dans sa chemin qui shaitan, tu dois pas tout lire. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Shaitan avec ce kabila, avec ce tribu, il trouve toi et toi tu vas tout lire. Mais l'état Shaitan peut être assassiné pour t'en faire zina là. Tu vas trouver? Tu vas trouver? Si tu écoutes l'ordre d'Allah, tu vas trouver, tu vas trouver. Même tu vas trouver, tu as une protection Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as une baisse de regard. Tu n'as pas accepté pour rendre une place côté de monsieur et de madame en secret, en privé, sans troisième du monde. Tu as respecté ça? Tu ne respectes pas voyage sans mahram, tu ne respectes pas regard, tu ne respectes madame Lane, respecter façon qui dit bizarre cause avec un djimoun étranger, il ne respecte ce l'habillement, s'il n'a pas arrivé. Mais l'état djimoun a fait ruqya, il y a le djimoun malade, il casse sa principe là, il laisse madame Lane tout seul, sorti sur la case, dans l'air qui sont obligés de travailler, soit disant il a le côté de celui qui boulie le lit, il est malade, quand il rentre dans la chambre tout seul, il ferme la porte, après deuxième session, troisième session, pour un zina, même djimoun là, il hafiz Quran tout. Parce qu'il fait une brise les règlements qui protègent toi contre Zina. Allah subhanahu wa ta'ala, on explique tout ça là, c'est pour dire qu'Allah dit, Ya yuha alladhina amanu, oh man kina iman, mo supplie les autres, pas adopter mon ennemi et ton ennemi comme camarade. Qui te fait toi? Tu as adopté lui comme camarade. Là, le résultat, qui résultat, mon ami? Dis-moi qui résultat?
Non, nous pas pour connaître un petit résultat pour nous. C'est moi nous connaître pour nous dégâts. Pour nous la perte. Pour nous la perte Iman en premier. Soit si Iman pas perdu, pour nous la perte des personnes, des neufs, des gens. Ou ça pour nous la perte, la perte, la perte. Mais si tu écoutes ça, l'eau d'Allah, même tu ne vas pas comprendre Rahmat Allah. Tu ne vas pas comprendre la sagesse d'Allah. Tu ne vas pas comprendre Hikmat Allah. Tu ne vas pas comprendre Wisdom qui est dans sa lode là. Par confiance, qui tu es dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui, Rabbul Alamin, nous le dit bien pour toi. Souban l'autre, c'est du bien. Qui pour faire une action, c'est du bien. Qui pour rester avec une action, c'est du bien. Quand tu prends compte sa lode là, tu es sous protection Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à Moussa alayhi salam, son maman. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Tu vois, maman de Moussa alayhi salam. Quand Allah donne l'autre zé de tes enfants, qui dit faire? Qui dit faire? Allah zé des enfants, mais dis-le pas pour rendre un panier. Mais Allah, si comment dire, le panier là déviré. Mais Allah, c'est un gros vague vini. Si la rivière pousse, il faut. Non, Allah pas pour poster, mais ami, Allah vous donne l'autre pareil. Comprends bien, mon frère, ma sœur musulmane. Zami, Allah pas vous donner l'autre qui est dans la perte là-dedans. Zami, Allah pas vous donner l'autre qui est dans le dito là-dedans. Zami, Allah pas vous donner l'autre qui est dans la perdition là-dedans. Allah tout sur l'autre. Il a la sagesse. Il a la miséricorde là-dedans. Il a la rahmat là-dedans. Il a la protection là-dedans. Il a la victoire là-dedans. Il a la jannat là-dedans. C'est ma musulmane là. Il continue à servir sur l'intelligence qui, quand il a les dents fermées, il n'est pas qu'à contrôler ce cerveau, sur la tête. Il fait sa action de prendre Allah sur l'ennemi comme camarade. Et quand tu prends Allah sur l'ennemi comme camarade, voilà ce qui peut arriver à aujourd'hui. Ça, c'est la situation présente. Deuxième point, la situation présente, c'est 7 octobre. Moi, je finis d'expliquer. Dans la première session, moi, je finis d'expliquer. 7 octobre, ce n'est pas film là qui commence 7 octobre. Et bien, le musulman qui commence à faire film là, le désert en 25 minutes, il y a le désert en 30 minutes. Les tout acteurs peuvent donner un coup de poing. Vagabond, ils disent, qu'est-ce que ça, je m'en fais dominer. Vous comprenez, non? Hein? Il y a un film désert en 30 minutes. Un bail rentre dans la salle désert en 25 minutes. Il rentre désert en 25 minutes. Et t'as dit, qu'est-ce que tu as? Un bail, il y en a la barbe, tout, et ce sort coup tout, il peut donner un coup de poing à quelqu'un. C'est qui ça, bail là, qui m'a fait dominer? Par contre, dit tout qu'il est arrivé désert en 25 minutes. Il commence à juger l'action. À partir des étants 25 minutes. Mais ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est des étants 29e minute qui finit dans l'action. Dans injury time qui est dans sa action dans mon stade. Qui fait un mot de injury time? Vous ne pouvez pas dire, moi. Bon, enfin, je connais un peu de football, je connais une sélection russe, pas oublié. Ça, je connais qui pouvait causer. Qui fait un mot de ça injury time? 7 octobre, c'est injury time parce qu'il est 23 septembre, moi, je montre ça avec preuve. Qui Netanyahu finit tir par les signes au map. L'île finit jouer match là, il annonce victoire. Et maintenant, t'as pris pour montrer ce que t'as dit là. Et le temps maintenant, il décide pour faire une action le 7 septembre, c'est dans injury time. Il y a une vidéo, moi, je rate. Moi, je suis préparé, disons, je suis à oublié. Ou bien, je suis à oublié, plus haut. Qui était sa vidéo là? Moi, je peux montrer une vidéo depuis 18 bananes de ceux-là. Netanyahu puis assisté avec sa famille. Et il peut dire qu'il y bouffait avec les Palestiniens. 18 ans de cela. Et après 18 ans, nous tous les faire exactement. Allah n'a pas non. Fais Allah n'a pas Allah a la capacité ou ça Allah a la capacité. Non, Allah a besoin d'aider les musulmans qui bouffaient. Quand Netanyahu, 18 ans, 20 ans de cela, officiellement, il publié sur les social media ça. Il est assisté avec sa famille. D'ailleurs, il a posé une question, mais comment tu pourrais faire ça? Si mon pays, quand tu mon pays, là, moi, dans le poste ça. Quand moi je vais répondre ça, il y a ça mal pays. Ben là j'ai l'ONU, il y a l'ONU, mais ça déjà dans nous pose ça. Il y a bien mal pays arabe, il y a mal pays arabe et ça mange gardé. Tu vois qu'on est mange gardé. Comment j'ai dit comme ça qu'il peut causer ça lui. Comme ça qu'il Netanyahu peut répondre sur famille. Ben là j'ai dit ben négociation qui ne finit signé. Il y a dans négociation là partout il y a un trou. Bon quand tout un trou là, vous savez tout ça un trou qui est là. Dans sa négociation qui man président musulman il fait avec lui. Mais l'État n'a pas compris tout ça là. C'est moi où tu écoutes l'aude Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu. La tattakhidu adoui wa adouwakum awliya. 60 N. Oh ben qui n'a iman. N'a pas adopté mon l'ennemi et que tout l'ennemi comme allié. Right. L'État 7 octobre vini.
injury time. Dans injury time, ça travaille qui déroulait là. Tellement l'intelligence Mossad faux et tellement qui social media under control. Moi je vous montre ça, nous a fait le AI là. On va pas gagner de temps. Trop beaucoup qui sont là pour montrer ça. Trop beaucoup qui sont là pour montrer ça. Maintenant qui refait quand j'ai fini gagner ça sauf 7 octobre là. D'ailleurs, sa quantité victime qui m'en a pédé là, il causait par son propre avion ça. Écoute bien, maintenant il y a à peu près 1200 Israéliens qui m'ont menti. Cause menti, pas 1200 Israéliens qui m'ont. Ça, 1200 Israéliens qui m'ont là, c'est pas une attaque militaire, aviation, ou bien aviation, on va connaître qui vous a servi le mot exact. C'est ça qui ne touche plus beaucoup Israéliens. Seulement le mass média, la gazette et le journal est contrôlé par maintenant. Hein? Website, ex-Twitter, contrôlé par Banna. Tout les médias contrôlés par Banna. Mais je trouve que si Moussalman, tu comprends ça, tu comprends le mot minou, le mot mini kalbunyan. Un musulman et l'autre musulman, c'est comme si un bâtiment. Nous vivons dans sa conception de bâtiment. Là. Mais là, nous pas besoin. Nous pas besoin d'allier avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Alors, le 7 octobre, bon, ben, nous vite. Qui ban résultat de 7 octobre, so, moi pas content, c'est vu le mot l'attaque, moi pour dire, rétaliation qui ban frère, il fait un avance, l'eau Israël, les 7 octobre, moi ben, c'est vu mon mot bien, parce que si moi dire l'attaque, je vous dis pas si dire que l'attaque pas fait, pas attaquer, non, ben n'a pas à soi, parce qu'il m'a fini mon truc la semaine passée, le 23 septembre 2023, il finit, je finis, annonce ça dans l'ONU, sous applaudissement, qui, bien efface par les signes d'Oma. Et ben, le pays finit allié. Écoute bien là. Vous pouvez mettre la ligne pour faire un travail, comme mettre la ligne pour boire de l'eau, pour passer dans le bourri. Ben, pays du monde, et ben, pays musulman et arabe, il finit mettre la quai pour normaliser notre relation avec Israël. Il finit mettre la quai. Léa a gagné ça l'attaque 7 octobre là. Parmi ben, objectif atteint le 7 octobre, numéro 1. Allah dit si tu ne souffres, maintenant tu souffres. Numéro 2, Allah dit, même ayat Coran, intakunu ta'alamuna fa innahum ya'alamuna kama ta'alamun. Ça c'est sunnat Allah. Te souffrir, te gagner atrocité, Allah pas pour qui tu veux, pour gagner. Des ayat Coran, moi donnez-vous ça. Numéro 2, écoute bien, je te connais qui considère l'argent, une dépensée, pour tirer dans syllabus, l'école, l'université, dans pratique djihad, beaucoup d'argent dépensé dans le monde. Beaucoup de plans ils mettaient pour. Le 7 octobre, ils effacent sa plan en seul coup parce que la communauté musulmane, ils sentent une fierté, ils sentent honorée, ils sentent regagner son izzet, par sa rétaliation qui finit dans le 7 octobre. Là. Right là. L'autre côté, ben, qui finit allié de mettre la ligne pour faire normalisation aux relations, ben, arrête tout dans parce que tout ce arrête en place. Right. Parmi l'autre achievement, c'est mon affaire, il vient clair. Pour connaître ça, mon affaire, pas pareil, c'est dans l'époque Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, pour connaître ça, qui m'a mon affaire dans Madina, il y a une révélation jusqu'à côté Allah. Et quand Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a une révélation côté Allah, l'Ipan gagne l'autre pour mettre ça, comment dire, prendre la liste, mon affaire, qui n'a pas le masjid, oui, tout le monde qui passe, non, il pas gagne ça l'autre là. Mais seulement, un certain, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, Rasoul Sami, dans Saint-Lik, c'est là qui est mon affaire dans Madina. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est lui qui connaît, qui, Hudhayfa, radiallahu anhu, ibn al-Yaman, il y a la liste des munafiqs, il y a habitué à veiller Hudhayfa, des gens qui s'en a pas fait un avance. S'il est trouvé, il n'y a pas fait namaz de quelqu'un, il finit comprendre qui ça, il trouve une partie dans la liste de Hudhayfa. L'État 7 octobre déclaré. Pareil comme quand il y a 11 septembre, pareil quand il y a un grand événement, dans une interview, le premier ministre qatarien, c'est un allié américain, il dit que le 12 septembre, l'État il peut rentrer dans le Pentagone, il peut rejoindre l'Amérique, parce qu'il y a une attaque 11 septembre. Il dit, tu crois, moi, le dernier, je rentre là-bas. Tu crois, moi, le premier, parce que je parle tout de suite, je rentre là-bas. Tout le monde pays arabe vient avant moi, le dernier.
Tu vois? Pas moi qui dis ça. Pas moi qui me dis ça. Comment vous connaissez ça, moi? Ça, c'est ce que premier, ancien premier ministre qatarien il dit concernant comment un président et un chef musulman il précipitait pour le Pentagone, pour l'Amérique. Et ici aussi, pareil. Alors, nifaq de man munafiqin, l'hypocrisie de man hypocrite, il vient clair à travers ça. Événement là. L'autre côté, Mossad intouchable, Mossad simple grand organisation intelligence secrète. So, organisation, c'est le coup. Connais qui n'avait, je te connais qui fait mon dire mon point. Ban lutteur, ban qui paye la guerre contre invasion, je ne rentre au centre du bureau de Mossad, je n'enlève tout computer, je n'enlève. Vous connaissez qui va trouver là-dedans au stade? Vous connaissez qui va trouver? Pour trouver. Ben, ça sera bien nous, tu viens faire du moment, faire les sons contre nous pour expliquer grand explication. Ce nom, pour me dire, informateur Mossad. Papa, qu'on voit qu'il y a des temps, qu'on lève tout computer, allez, qui peut arriver des temps, lève tout ça, computer, dans le centre informatique de Mossad, maintenant rentre dans sa sonde, on lève tout computer, allez. Qui va le trouver là? Ah, ben, Salim, se fait un taxi, il y a un petit peu, j'amène tout mon information dans le bassin. Je ne sais pas si vous comprenez que je vais dire ce truc-là. Mais je connais qui a été. Parce qu'il bataille des informations. Nous, dans l'époque, quand il y a une bataille des informations. Mais parmi les activement de les lutteurs, c'est que les frères, une casse ostora. Vous connaissez, c'est une icône. Il y a une icône, c'est intouchable. C'est ce qu'on a dit, comment dire, oublier. Que Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Nous oublions ça. Et nous oublions ça. Mon frère, il y a un petit rose qui est là. Je rentre au centre d'information de mon zioniste. En même temps, il unveille. Comment on dit unveille en créole? Hein? Il dévoile la puissance militaire de mon pays musulman. Pas si évident, hein, ça. Badina, ça. C'est ce qu'on dit quand arrive Zou. Zodi tient une parade militaire, juste pour montrer ça, à part ça, il n'y a pas servi dans rien. C'est moi, bon, capable de faire une autre explication. Qui fait qu'il y a un pays musulman, je n'ai pas senti obligé de participer militairement dans la lutte de Palestine. Qui fait que je n'ai pas senti ça, dis-moi? Qui fait que je n'ai pas senti obligé de participer? Parce qu'il y a beaucoup parmi eux, infini reset sa projet-là. Je ne finis faire hydrage, c'est-à-dire je ne finis aligner une organisation qui peut lutter comme organisation terroriste, et je ne finis vendre ça à la lutte là, je ne finis normaliser les relations, je ne peux pas dire tout ça. Je même je peux la guerre pour enlever un lutteur, ce nom de dictionnaire. Il n'y a pas besoin de lutter. Le mot lutteur, quand on peut get dictionnaire, venir lutte, quand arrive lutteur, peine le mot lutteur. Et dans la lutte, dans le sens de la lutte là, cette définition, et dans le fini, faire ça, c'est-à-dire qui peut arriver. Vous êtes content, vous ne sont pas content quand on dit ben Moudjahidin Begay Mou. Vous êtes content. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile la réalité de ce ben l'argent 450 milliards de dollars. Zom. Un pays, il fait une négociation, 450 milliards de dollars, mon bécosier là. Qui vous fait avec ça? Oksan de la guerre. Mais l'ennemi Allah demande à l'Oksan qui debout la guerre alors. Quand tu vois servir ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dévoile ça. L'autre côté, l'économie zioniste, grainée. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit un shahid. 40 000. Ah, c'est un dieu, 40 000 djimoun, il mourra à cause ça. Oui, parce qu'il y a 40 000 djimoun, on finit la semaine passée. Ashabul Ukhdoud. Tout le monde est un mot. On va compter chiffre. Dans le Coran, on dit chiffre. Dans le Hadith Sahih Muslim 3005, qui explique le détail de Ashab al-Ukhdoud, on dit quantité. Mais ce qui nous connaît, tout le monde est un mot. Il y a un mot d'Ashab al-Ukhdoud. Tout. Tout est brûlé vivant dans la tranchée. Jusqu'à dernier mot. Qui tu peux gagner l'amour, c'était une maman et que ce petit bébé fait tenir,
Quand dit maman là dit moi comme moi pour faire une concession. Il y a un iman plein de soleil qui est, mais il faut faire une concession pour lui protéger ce petit bébé. L'élève qui Rasoul Sallam dit dans Sahih Muslim, dans Hadith 3005 dans Sahih Muslim, Rasoul Sallam dit petit baba la cause avec son maman, dit Ya ummi uthbuti wa anti ala haq, tu n'y fermes, tu l'as haq. Madame là aussi, finalement, il tombe dans le tranché, et lié avec ce petit bébé, tu l'aides. Et tout le monde qui tient dans sa zamana là, dans sa l'état là, je tout in mot, shahid, pour brûler vivant dans les tranchées Ashabul Ukhdud. Parce qu'Allah qui prend shahid, et Allah il prend celui qui dit qu'on est shahid, dans Surah Ali Imran. Un autre achievement, c'est filtering. La victoire de la communauté musulmane, pas pour arriver aussi longtemps que les rangées ne sont pas purifiées. Dans le Coran, Allah dit que Allah a dit al-mu'minin ala ma antum alayhi. Hatta yamiz al-khabitha min al-tayyib. C'est ce qui, Allah zame pas pour les autres, arrive vers la pouvoir, la victoire, aussi longtemps qu'il y a une purification des rangées. Aussi, les frères et sœurs dans Gaza, dans Palestine, donnent au matin une leçon qui veut dire Akida, qui nous apprend le papier, le papier plim. Leçon Akida, pas tout le monde dit leçon Akida, et tout le monde dit leçon Akida. Parce que les diamants font les sons akida. Akida, akida. Là-bas, non. Là-bas, maintenant, pas faire les sons akida. Là-bas, donne les sons akida. Et je ne pas donner les sons akida théoriques. Maintenant, donne les sons akida qui se peut implémenter dans la vie tous les jours. L'autre côté, sa persévérance et patience de Ban Ahl-Ghazza, même qu'il est difficile, il est bien difficile. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner guidance. Le monde non musulman, dans un pays, Occident, et dans les autres pays, où trouvent les non-musulmans, peuvent lever le Coran, baser leur recherche, le secret, qui sont les gens capables de l'écrire comme croyance, qui se tiennent ferme à ce point-là, sa persévérance, sa soumoude, sa tiennent ferme là, il pousse les non-musulmans à lire le Coran. Et l'autre qui se fait encore, qui n'est arrivé, c'est nous trouvons les politiciens comme dans l'Irlande, je te connais qui, dans le congrès que Netanyahou fait caler, pour y aller prendre green light, pour y continuer la guerre, il ne peut pas accepter aucune négociation. Dans le Coran, je ne sais pas pourquoi, il y a une similarité incroyable. Wa qala fir'aunu, dharuni aqtul Musa wal yad'u rabba, inni akhafu an yubaddila dinakum, aw an yudhira fil ardi fasad. Fir'aun! Pharaon, il dit, l'homme, laisse-moi le battre, Pharaon peut demander une permission. Il dit, donne-moi une permission pour que tu aies Moussa, alayhi salam. Pharaon, il a une permission pour que tu aies Moussa, alayhi salam. Hein? Mais après ça, istighfa, au Qulan Nas. Comme je dis, dans un certain sens, il peut prendre compte. Tout le monde qui est là-bas dans cette époque-là, mais ça, je ne comprends rien. Et vraiment, Allah dit dans Soura, si on va tromper Zoukhrouf, ou ça, Djafia, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا l'ingode sa communauté d'un niveau d'intelligence qu'ils ne sont pas capables d'analyser, ils n'ont pas une analyse critique, ni ils sont capables d'observer, ni ils sont capables de faire une conclusion pour les capables de contrôler eux. Une autre explication, ils font eux rester dans la peur de cela fausse pour maintenant pas comprendre. Et quand Allah donne tout, après qu'il fait Pharaon, il fait sa déprocédure avec son peuple, c'est-à-dire soit gardez eux d'un niveau d'intelligence, Al-Istighfaf, il est capable, il y a deux significations dans l'arabe, soit numéro 1, veut dire God, man, dit-moi, d'un niveau d'intelligence faible, et quand il me donne ça, l'intelligence faible, là, ça veut dire qu'il a contrôle, toi. Je ne parle pas du tout qu'un dit-moi pose question, je ne parle pas du tout qu'un dit-moi challenge, je ne parle pas du tout qu'un dit-moi comprend, s'il comprend, il va comprendre les rôles. Ça a une signification de Fastakhafa Kaumahu. Un deuxième, Fastarhaba Kaumahu, l'ingazot soit un terroriste psychologique pour ne pas capable de comprendre et de rester en paix pour les cas contrôle. Alors, Pharaon demande permission pour qui l'itouille Moussa alayhi salam. Je suis capable, bon, on est encore, je suis capable de montrer ça nous peut dire le 7 octobre qui n'est arrivé. Je suis capable de montrer le ministre Ben Rafir. Ce causé, ce statement concernant les Palestiniens,
Mon cas montre vous êtes le temps au ministère commerce sur mon statement si vous êtes capable aller vous êtes capable ici on peut nous dire ce point là dialogue ou bien statement des ministres zionistes là-bas quand vous tant ça ça veut dire vous finissez comprendre peine tout ça ma négociation non ça pas pour moi aussi non parce que maintenant vous êtes l'objectif c'est efface la Palestine seulement. Right. En ce moment, nous avons plus que 40 000 chehites, 92 000 blessés, 10 000 sous les débris. Alors, pas moi qui dis ça, pas pays arabe qui dit ça, pas organisation de Islamic Conference qui dit ça. Ça, c'est dans ICC, International Criminal Court, maintenant, on peut appeler ça génocide. Right? Négociation. En janvier, l'Amérique présente une négociation. Les lutteurs acceptent une négociation qui, ça veut dire ça, ça comment nous appelons ça, comment nous appelons ça, pour une méthode man écrit, nous allons faire une négociation dans sa, man, dans sa forme là. Ban frère, je dis nous accepter. Même nous pouvons payer un pourcentage, nous accepter. Parce qu'il a dedans, il n'a pas mis une décision comment Israël disait quitte Gaza complètement. Par exemple, pas pour démilitariser Gaza. Par exemple, remonte Gaza. Israël responsable. Par exemple, pas pour une, des gouvernements, des pays européens pour venir comme supporting force. Nous parlons aucun supporting force. Dans sa première. Négociation, ben point des négociations qui tiennent, qui s'est présenté dans janvier, ben frein d'accepter. Même dans certaines périodes là, non. Ici, ben l'a rejeté. Là, il arrive un point qui n'arrivait, n'est plus une négociation à Astier. Astier, Pharaon, l'Ibédia, nous faisait faire un, deux, trois, quatre, l'écrase sa décision américaine là, je vais faire un nouveau point des négociations avec ma nouveau article là-dedans, côté là-dedans, tout ce qui se peut dire. C'est-à-dire, pas appeler ça une négociation, appeler ça une force. Là, il y a une force. Là, nous arrivons là concernant la négociation. Ben, mon affaire, dans le Coran, point numéro 5, rôle de mon affaire, je ne vais pas causer beaucoup avec eux. Je suis un frère, je suis déjà intelligent et je l'ai écouté la semaine passée. Allah dit, si nous posons une question, qui fait ben là? Qui fait ben là pour continuer, prendre ennemi Allah comme vous êtes allié. Qui fait? Qui fait ça, hein? Il y a une raison que je donné la semaine passée, par exemple, quand finit ça explique, ça veut dire portage de la terre qui est sous contrôle de man ottoman, quand vous portez ça entre anglais avec français, quand il fait sa préparation là, il est un assigné à un leader de ce man terrain là. Qui leader pour mettre? Un leader qui affilié avec vous, ou ça un leader qui est l'ennemi avec vous? Affilié. C'est pour ça qu'il y a un choix même pour dire si pas participer, pas participer, si porter, pas porter. Je peux pas ce choix-là. Parce qu'ils ont déjà ben, qui sous l'emprise de sa man négociation qui vient de passer ou sa man trahison qui vient de passer dans le passé. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Jésus ne prend pas les ennemis comme alliés. Qui fait Jésus prend? Allah dit Fatara alladhina fi qulubihim marad, yusari'una fihim, yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Quand Jésus, qui fait un prend l'ennemi Allah comme camarade, nous pire. Connais les temps Israël, intui, Haniya dans Iran. C'est un signal qu'il peut envoyer avec ça. Qu'est-ce qu'il peut envoyer ici? Tout le monde payera pas Iran. Iran, il peut dire, il fait aller que toi, tu t'invites pour venir dans célébration, prêt serment de nouveau président iranien ce jour. Mon tout dit que l'IB donne un signal faux, ben les autres, ben, je ne veux pas ça quand c'était loin, je suis plus près à moi. Mais le Coran peut dire, Fatara al-Ladina fi qulubihim marad, ben qui a une maladie, l'hypocrisie de cette équerre, je te précipite vers sa ban qui a l'air de défendre pour te prendre comme allié. Quand tu vois qui fait de me précipiter, il dit, Narcha, en tout suivant la daïra, attention, qu'il y a une qui se dévie à l'ONU. Et ben, on n'a pas fini de trouver dans six pays, sur. Président finit sauté. Ça veut dire Libye, ça veut dire Tunisie, ça veut dire Yémen, ensuite
L'Iran, non, 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 l'Iran, non, l'Iran, non. La Tunisie, l'Irak, la Syrie, non, une réaménie encore. Dans un tiers, ils ont trouvé dans les pas bon, les plus bons qui manquent, qui pas bon. Ils ont retourné encore, ils ont reconnaître les tous, ils ont reconnaître Bachar Assad. Ils ont 507 000 musulmans. 507 000. Moi, je donne des statistiques avec preuve. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait enseigner nous qui fait qui. Vous pouvez écouter ça, vous pouvez faire pour. Ça veut dire, incroyable, ça les mots nous vivent là. Vous pouvez vous connaître qu'il y a un congressman démocratique, pas présent, quand Netanyahu est allé dans le congrès. Qui a fait là-bas? Qui a fait dans le congrès? Donne-moi permission. Là. Il y a 40 minutes, il finit le mot. Il parle pour prendre sa green light là. Là parce que quand il retourne, il finit pour prendre green light. Il m'a appelé standing innovation. Ça. C'est standing innovation qui se peut faire là pour celui qui n'a pas respecté aucun l'article de l'organisation internationale. Ni l'ONU, ni UN, ni ICC. Il n'a pas accepté. Il n'a pas dit maintenant qu'il se peut faire. Ce qui est musulman, pas accepté pour mettre le Coran en pratique à cause soi-disant ça man l'article et que ça man négociation ou bien ça man accepté que je n'accepte dans sa man organisation internationale. Lui non lui, lui dit il ferme le soudin lui, lui dit mujahid fi sabili dinihi, il y a un mujahid le soudin, lui dit pas qu'il est ou content ou pas content qui ou bouge lui bâche ou bouge lui les préfères nazi, plus pire qui nazi, ou boudjali, anti-apartheid, tout ce que vous dites, pas sans danger. Le Coran dit qu'il y a un mujahid, fils Abdillah, un musulman, là, il y a khafou, filahi, là, il y a khafou, un musulman, il n'y a pas peur, man blâme, quand il travaille pour Allah, subhanahu wa ta'ala, maman, tout qui Netanyahu, il n'y a pas peur, aucun blâme, ce qui m'a dit, il n'y a pas qu'à s'adé du tout. Du tout. Standing innovation. Ça, standing innovation, là, ça, pays qui peut donner, ce man membre, de ce congrès qui peut donner standing innovation là, l'impliquant allié de tout pays arabe. Explique-moi, Henko, comment ça se fait? Écoute, Oumad Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il besoin d'essayer la communauté, besoin désunite la communauté, disunify, unity de la communauté, pour être capable de rester exister, parce que si la communauté est unie, elle n'est pas capable. À ce parfois, il n'y a pas une explication d'une même qui fait vous désunir. Parfois, les raisons politiques, parfois, raisons économiques. Right? Alors, ça, c'est une vidéo. Bon, ça, moi, je finis de montrer aux autres qui, après la guerre, c'est-à-dire. Là, après la guerre, qui veut dire après la guerre? Ça veut dire qu'il y a une négociation. L'État nous peut arrêter la guerre dans sa négociation qui peut dérouler. Mais comment ça peut être après la guerre? Netanyahu, lui qui met ça, lui qui dit comment ça peut être, lui qui décide comment ça peut être, lui dit pour un pays arabe, pour un la force, pareil comme Western Bank, je pour moi sous nous pour un border, nous pour un tel endroit nous bougeons pour nous, fait quand nous bougeons, Istanbul lui bougeons pour lui, Plaisance lui bougeons pour lui, Larry Olier lui bougeons pour lui, lui pour mettre border le Larry Banderi, il peut cause comme ça, il peut cause après la guerre, hein, il peut dire si je peux dire arrête la guerre, mais après la guerre. Après ça, post-war negotiation, ne pas cause négociation pour arrêter la guerre, négociation de après la guerre. À ce en plus, l'inal market sur l'idée de post-war avec un pays musulman, et n'a fini accepter tout. Hein? Ça appelle ça post-war. Right? N'a fini mettre tout qui m'a un pays, pour moi, ça avec lui, ici dans ce document-là, qui m'a un Arab States. Il finit d'accord tout pour moi, c'est post-war déradicalisation. Ça veut dire qu'il ne faut pas te venir dans qui suit te dîne. Connais le mot radicalisation avec déradicalisation. Vous ne connaissez pas en français, hein? Ce mot-là, mais il faut dire qu'il y a envie de signifier le sodine. C'est moi pour Netanyahu, personne ne peut dire qu'il y a un radical, c'est moi, il y a un radicaliste, personne ne peut dire ça. Pour Ben Gevir, personne ne peut dire ça. Pour le ministère du commerce israélien, personne ne peut dire ça. Ok. Alors, je connais qui me proposait, sans livre l'école, introduire divertissement dans Gaza.
Incroyable ça. Incroyable ça. Retire livre. Sans man livre din, sans man livre s'il abasse l'école, et introduire, qu'ils a fait. Je te connais parmi man raison qui, quand l'écrase, comment dire, avec qu'on nous dit en créole, excuse-moi le terme, la rase, qui fait faire ça? Parce qu'il y a envie qu'il gagne soulèvement populaire de la masse musulmane rasa contre man lutteur. Il fait ça comme ça. Mais comment m'a-t-il dit la semaine passée, est-ce qu'il inatteint man war objective, s'il man atteint du tout? L'inatteinte, destruction de Gaza, oui. Et tuerie de nos frères, oui. Mais ce manoir objectif qui était annoncé, il n'est pas encore atteint aucun de ce manoir. Right. Right. Parmi les points plus importants, c'est-à-dire. Qui implication normalisation relation? Qui est un pays, en tout cas, mon deuxième un pays, qui finit normalisé, et un pays qui normalise en secret, pas encore annoncé. Right. Parmi les qui officiels, la Jordanie, Imarat, Bahreïn, l'Égypte, Liban, Palestine, même le Soudan, même le Soudan, il normalise relations. La Turquie, après l'arrivée du président Erdogan, relations là, on va dire pas trop, on va dire tous les jours gagne la guerre, on va dire. On va dire, monsieur, madame, chaque d'une semaine, trois fois gagne la guerre. C'est moi, c'est encore monsieur, madame, c'est moi. Mon panier n'a pas de divorce, l'attendez bien. Mon panier n'a pas de divorce, ça pas encore, il n'a même. Tout coûte menacé, mon bouton de divorce, hein. Vous connaissez Octopus, c'est un qui appelle Octopus, vous connaissez Octopus, 8 lipiers, ça. Qui appelle 8 lipiers. En même temps, il trappe le pays Golfe là-bas, il trappe le pays arabe ici, il trappe l'Iran pas là-bas, il trappe l'Amérique pas ici, il trappe la Russie pas là-bas, il trappe la Chine pas ici. Et il trappe Israël ici en même temps. En même temps. Appelle ça Octopus. Dans les pays arabes, ban analyse, il faut dire octopus, partout. Mais il y a quand c'est causé, il y a causé concernant l'événement qui est arrivé dans l'ambassade. Ensuite, il fait ce garçon aussi, il y a j'ai envie de montrer sa photo là. Bilal, ce garçon s'appelle Bilal. Parce qu'il n'y a pas qu'à dire pays golf, pays arabe, qui Turquie, pour vous montrer ce ben, chiffre là. Alors, dans 2022, il récit faire, comment dire, des tapis divorcés là, il récit arrête divorce en 2022, mais là, en ce moment, comment dire, presque divorce peut venir, il n'a pas connu, nous peut-être dire beaucoup divorcés, mais pas encore il y a divorce. Et les autres des pays, les autres qui ont fait, les autres peuvent dire sous tapis, ils n'ont pas encore annoncé. Ils ont dit pour annoncer, pas qu'ils ont annoncé à cause de 7 octobre. Arrête là. Bien bon. Moi, tu connais. Là, ça chille là, saisisse, comme un pays. Écoute, Allah, sur l'autre qui m'a dit, elle n'a pas pris un autre comme allié. Comme un prend comme allié, trahison dans normalisation de relations qui m'a un pays arabe, il fait avec lui. Il fait trahison avec eux. Bon, ben, redis là, mon pays, mon fait que dans un pays qui finit, normalise lui. Quand il finit normaliser, ben, il vient allié avec lui. Quand il vient allié avec lui, dans sa alliance qu'il a signé avec eux là aussi, il fait trahison, il grille eux complètement. Mon analyste dit, après normalisation relation de l'Égypte, 1981, si je ne vais pas faire rire, qui est arrivé, sécurité nationale, il vient en jeu. Numéro 2, il exploite normalisation relation avec l'Égypte. Écoute bien, comment dire eux là. L'in change man plantation principale, primordiale, qui tient dans l'Égypte comme le, comment on appelle ça, wheat, comment on dit wheat? Djiblé. Et man les autres plantes, coton, surtout coton. Le coton égyptien est connu dans le monde, le coton égyptien. Connais qui l'in fait? L'in fait man là, à travers, bon, bien sûr, avec participation de certains man ministres de côté l'Égypte. Je ne sens la plantation coton avec moulon d'eau. Et comment il fait ça? Il fait ça pendant Tabadoul al-Khibra. Comment on appelle ça? Échange. Non, pour surtout la plantation. Comment on peut dire ça? Échange, expérience dans la plantation. Banen Rastouman, plantation, qui tient, parce qu'il est Égypte riche dans plantation. Il rase le coton, surtout avec le blé, il remplace ça par moulon d'eau avec,
ban si petit petit la grain de ban parfum. Et ce qui plus grave encore, il n'a pas de la grain cancéreux une de nous. Ça se déroule dans qui ça fait? Dans l'implémentation de la normalisation de la relation avec lui. Et en même temps, quand on commence à faire échange d'expérience concernant la plantation, un domaine, je ne peux pas dire l'éducation. L'éducation, pareil. Ben, inspecteur jeunesse, analyse ben, livre qui est dans l'école, ben, dire le livre SSI, secondary school, first year. Dans l'arabe, l'école lit en trois stages. Primaire, intermédiaire et secondaire. Primaire, 6 ans. Intermédiaire, 3 ans. Secondaire, 3 ans. Dans le livre, première année secondaire, ben, il y a un paragraphe pas bon là-bas, du tout. Bizarre sans ça. Maintenant, sans y là-bas. Ça, c'est l'impact de la normalisation. Mais bien respecter l'alliance qu'il fait. Respecter l'alliance, il rentre de deux syllabes l'école, il sent deux syllabes. Écoute bien, chiffre. 700 millions de dollars, l'objectif 2025, dans échange commercial. Mais bon, l'islam pas empêche nous faire commerce avec Israël, Zami. Pas empêche nous. Mais seulement au moment qui toi, tu peux faire sa commerce de food supply, l'île met en bord de ton frère musulman. Mais là, il y a un issue. Mais par contre, acheter, vendre avec n'importe qui, ça n'a pas aucun problème. Mais là, nous pouvons deal avec l'ennemi, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Right. La Turquie, mon fini des autres, la Turquie, milliards de dollars d'exportation des légumes, il fait pendant la guerre. Je ne peux pas rentrer ça, mais avec mon Dieu, juste pour ouvrir les horizons, je ne peux pas rentrer, rentre sur YouTube, hein, amount in dollar for vegetable exportation from Turkey to Israel within the period of war, mon Dieu. La Jordanie, il y a un petit peu plus malin. Il y a une négociation qui fait l'eau à la table. La majorité des négociations qui fait cacher pas qu'on aime qui négociation. Par exemple, la Jordanie, il y a un produit zioniste, il y a un maquis, après il y a un pays arabe. Les contraires, si il y a un pays arabe, il n'y a pas envoyé un article ici. Il y a une négociation, je ne pas encore faire une normalisation de relation. C'est moi qui peux dire économiquement, lui qui fait sa traversée là-bas. Pendant qu'il y a un Houthi, de Yémen. Si tu attaques un bateau qui vient provide supply for Israel dans Red Sea, des pays musulmans, zone zone ouverte, zone la porte pour prendre l'article là, passeport au pays, un pays Golfe et la Jordanie pour aller déposer ça dans Israël. Si pas faire ça, produit là pour coup de poste 100 fois plus cher. Parce que quand Red Sea est fermé par l'attaque qui man Houthi, tu peux faire dans la guerre dans l'oban bateau dans la mer Red Sea. La Jordanie. Right. Moi aussi, travaille en lutte. Si je trouvais AI, artificial intelligence, je dis, what it signifies normalization of Israel. Il vous donne tout le point positif. Il vous dit, par exemple, échange culturel, échange expérience médicale, échange expérience d'ingénieur, il peut dire, montrer tout dit dans les autres, dis-moi, ça c'est ce qui AI causé quand il cause normalisation. Il dit, réalignement de la force dans Middle East, quand il y a la force, pas un trac à Iran, quand il fait normalisation avec Israël, je n'ai pas besoin de payer à Iran. Il dit, il y a qui vient protéger de mon pays Golfe contre Iran. Ça veut dire, ça c'est mon point positive qui AI, Artificial Insurance, ce chatbot, donné qu'on fait une normalisation relation avec Israël. Je suis capable de gagner support de l'influence américaine, capable de publier une palestinienne issue, capable, quand on a une normalisation relation, nous saute la tête tout l'humanité qui peut venir gâter l'endroit Middle East là. Connais ça qui pour man l'ennemi Allah, ça qui les œufs dans dalle, ça là. Ça qui gâte ça vitesse d'exécution de grand Israël là, ça qui gâte ça. Ça qui ça groupe du monde qui empêche ça réaliser vite là. Man li tire. Non, pas si ça marche parce que man du tire. C'est man du tire. Allô,
il a implication géopolitique, stratégique, économique et religieuse. Mais interfaith dialogue, bien bon, nous besoin faire un dialogue interfaith, bien sûr. Nous besoin dire maintenant il n'a pas d'ONC là. Le Coran il finit montrer nous comment faire interfaith dialogue. Le Coran. Alors ça c'est moi de montrer ça. Il y a un modèle de paix. Ils vont montrer un modèle de paix. Quand le 23 septembre, moi tu montres une vidéo semaine passée, quand Netanyahu qui nous dit un peace plan là c'est créer une ligne économique depuis l'Inde pour aller finir par passeport pays Golfe pour aller finir dans Israël. Quand il peut dire ça là. Et Modi finit approuve ça lui aussi dit. Là dans même qu'il y a l'absence de Palestine dans l'OMAP. Right. Alors ça c'est comment banalisent market les points positifs de normalisation relation avec Israël. Right là. Coran de nous naît Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit après 9e Hijri pour concernant Masjid al-Haram, il dit fala yaqrabu al-Masjid al-Haram ba'd 'ami hada. Ban qui pena iman par rapport avec Masjid al-Haram après cette année, ça veut dire 9e Hijri. Ça en masla pour nous pas ça aussi c'est moi. Wa in khiftum 'aylatan. Je te connais qu'il a le Makka il tient centre qui était. Qui centre dit c'était de commerce. Makka tient centre de commerce, point point central. L'étant pour comment dire mettre un serrier l'on implément ban l'autre Allah. Qui peut arriver allié pour diminuer, car allié pour diminuer, participant pour diminuer, car participant pour diminuer. Qui peut arriver le commerce pour avoir l'impact. Allah dit wa in khiftum 'aylatan, si vous êtes pauvres, vous êtes pauvre, Allah fait vous devenir riche quand vous obéissez à l'autre Allah. Et dans sourate Al-Baqara, Al-Shaytan ya'idukum al-faqr, Shaytan fait ta pire. Si tu pas écoute moi, Shaytan dit tu pas écoute moi, tu devenir pauvre. Écoute-moi, mon fait devenir riche. Écoute-moi, mon fait gagner beaucoup d'argent. Alors Shaytan il fait du monde gagner pire avec l'autre Allah pour faire lui pire avec la richesse. Il dit tu devenir pauvre. Shaitan promet des autres qui vont arriver. Il donne des autres l'autre pour faire le mauvais, mauvaise action, et il fait des autres, il dit des autres, mais vous êtes pauvres. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, non, c'est-à-dire, Allah peut dire que Shaitan, quand il promet des autres, il peut faire des autres, vous pauvres. Quand Shaitan promet des autres, et il peut faire des autres, faire mauvaise action. Et Allah, lui qui promet des autres, il promet des autres le pardon et la faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Les textes du Coran. Dans le Coran, il y a une explication de Banu Israël. Il y a aussi une explication de ce qu'il appelle Yahoud dans le Coran. Il dit Allah faqir. Allah pauvre. Il dit Allah li ava, yadullahi maghloula. Allah plonge de déjeuner dans le Coran. Dans le Coran, il a rempli des ayats du Coran quand Allah décrit sa l'ennemi qui appelle Yahoud. C'est pour ça qu'il basé le tout ça dans l'ayat Coran qui est là. L'indonésien ayat Coran résume tout, pas prend les ennemis comme alliés. Qui fait parce qu'il s'amène raison, il mentionnait qui fait Allah en colère et il plonge Yahoud dans déjeuner. C'est parce que maintenant il met les équations qui amènent déjeuner. Alors Allah il finit montrer nous dans le Coran sa équation qui amène déjeuner le Yahoud et il dit toi, faire attention si tu te suivis, tu te tombes dans déjeuner. Le Coran, Allah montre une plonge de déjeuner. Il montre comment se réagir envers le Nabi. Allah montre comment se réagir envers le Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre comment. Qu'ils ont fait avec ce livre. Ils ont sans ce livre. Allah montre qu'ils ont fait avec la loi. Ils ont bypass la loi. Allah montre dans le Coran comment ils ont fait façade dans le dunya. Allah montre qu'ils ont une relation avec nous. La tadidan na surah ma'ida. Allah montre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit nous concernant maintenant. Tout ça là, et il y a dans le Coran et dans le Sunna rempli dans l'ayat Coran qui ne va pas rentrer dans un par un, il prend beaucoup de semaines pour nous terminer sa session. Right. Solution. Qui solution? Coran. Coran, c'est une solution. Dans le Coran, Allah clarifie tout quelque chose qui nous besoin dans la dunya. Comme on dit, tout là, c'est tout quelque chose qui nous besoin dans la dunya pour réaliser. Nous maqsad dans la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala in tansurullaha yansurkum. Je te suppose la cause d'Allah, Allah suppose votre cause. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum. Si Allah suppose toi, ça n'a pas pour victoire l'autre toi.
doa. Demande doa. Amman yujibul muttarra idha da'a. Allah veut dire qu'il s'en a qui répond l'appel de man qui est en nécessité. Allah subhanahu wa ta'ala. Zotra bin jazot demande doa pour répondre. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Demande moi doa pour répondre zot. Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Li dit. Il y a un monde qui pan récit participe. Dans man sorti avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit de Bukhari, un hadith de Bukhari. Qui ban la pan récit vini. Pour ban raison qui accepté par sharia. Allah donne zot récompense qu'ils ont sorti ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui a dit ce hadith là? Qui n'est pas capable de sortir, mais qui a l'intention pour sortir, ou qui a une excuse qui est acceptée par Allah, ou gagne sa récompense qui est sortie là. Qui a dit ce hadith là? Je te rappelle, moi, tu dis, premier groupe du monde, c'est, il y a une capacité, il n'y a pas fait rien. Et dans l'autre groupe du monde, il y a une capacité, capacité pour faire quelque chose, il y a envie de faire Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, pour donner. Et ben, le concept qui est important, pour nous capables de supporter nos frères et nos sœurs, je vais vous montrer une vidéo là. Dans cette vidéo là, on appelle ça Batou Hanzala. Batou Hanzala, c'est une madame 70 ans. Une Norvégienne, 70 ans. Elle quitte sur la case. Elle prend un bateau, elle met le la mer. Et elle peut attendre que les gens viennent lui. Et un Allemand, il vient lui. Un, je ne sais pas, un autre, je ne sais pas qui pays, il vient lui. Je ne quitte ce travail, non musulman. Et c'est pour ça que le Coran nous donne l'ordre pour nous agir bien envers les non musulmans qui ne sont pas des ennemis. Pas tous non musulmans qui sont l'ennemi. Nous avons fait la différence entre un non musulman qui est bon envers nous, et nous aussi nous sommes bons envers lui, et un autre musulman qui est l'ennemi, il peut travailler juste pour tout le. Alors ici, je vous écoute un petit peu, après je traduis pour vous. Vous voyez qui madame l'a dit? Ça, madame 70 ans là, elle dit que l'histoire pas pour pardonner. Ban qui est en capacité pas de faire rien. Et moi, moi, j'ai 70 ans, je suis sorti pour venir faire un travail qui était mon café, mon bouffé. Vous voyez qui me fait là? Ça s'appelle ça fak al-hisar. Je prends un bateau, je pour rentrer dans de l'eau, je prends le disque à Raza. Mais je ne suis pas venu la guerre, des trois fois, il fait ça dans Raza. Ça s'appelle ça fak al-hisar. Ouvrir l'embargo. Lui, en plus, il y a un infirmier, il y a un docteur. Je tout quitte ce travail, je la vie, je famille, je viens pour supporter sa cause. Mon père, on veut comprendre comment nous positionnons. Moi, mon père est en position. Je ne connais pas comment nous rendre compte avec Allah. Mon père, je suis franc. Mon père expliquer, oui, mais je ne connais pas qui nous a fait. Boycottage. Boycottage de produits israéliens. Mais une finit normal. Il revient normal encore, ben, il recommence à rentrer, il recommence à acheter. Pourtant, nous connaissons bien qui la fausse, ce qu'on appelle boycottage de produits, et non. À ce moment-là, il dit, hey, quoi, moi, tout seul, moi, allez, moi, tout seul, moi, boire Pepsi, qui s'absente. Non, pas get comme ça. Get que tu as là, tu récompenses, pourtant, tu n'as pas de boire. Mon papa mentionne un produit spécifique pour ne pas rendre un débat, mais qui s'en a qui dit où ça produit là, attention, je ne fais rien. Mais le boycottage des produits zionistes, ni parmi mon action qui amène résultat. Si on dit, moi tout seul, je ne pas acheter, je ne pas acheter, je ne qui ça pour changer. Non, pas besoin d'un tracas qui ça pour changer. Ou Féali, il y a l'autre du monde aussi qui pense pareil, lui aussi, il Féali. Finalement, la communauté en entier Féali. Right? Alors écoute ça, moi quand je dis, moi je dis, qui m'a une parole qui lui peut dire. Lui dire, madame là, dit, moi pas envie de parmi ceux qui délaisse si pour Raza. Mais ça, il y a dans le hadith. Après ça, khudlan. En arabe, c'est ça, khudlan. Al khudlan veut dire délaisse ton frère quand il est besoin de support. Et tu as une capacité. Tu as une capacité, ok. Mais tu as une capacité, tu délaisse ton frère, musulman, quand il est besoin de support. Après ça, khudlan. Enfin, bon, ça c'est l'idée, je suis capable d'ouvrir. Après ça, Safina Touhandala,
appelle ça le bateau de Hanzala. Alors, là-dedans, c'est un bateau qui est en préparation, là, les nouveaux, ça se mène là, ça. Alors, je ne peux pas dire ce qu'ils sont capables. Alors, doua, important. En même temps, faire qunut, important dans cela. Moi, mon père n'a aucun père pour dire que c'est lui qui est capable de participer avec son armée, que celui qui est participé. Et celui qui n'est pas capable, il envoie l'argent. Et celui qui n'est pas capable, au moins, il fait doua, il fait boycottage, une action qui donne nos capacités. Bon, pour montrer ça, je tiens une autre vidéo. Bon, une vidéo, il y a une photo un peu pas décent. Je vais vous couvrir. Imaginez qui, dans l'Amérique, il y a un congrès même pas présent quand le pharaon est venu. Divan l'apôtre, des milliers des Américains sont venus pour renoncer à sa participation devant le congrès là. Mais par contre, quand ils rentrent dans l'ONU, tout le monde tape la main. Mais les Américains aussi, pas d'accord. Ils ont guetté les élèves dans l'Amérique et dans l'Europe. Comment maintenant refuse d'accepter, reste tranquille pour sa domination là. Moi, je peux dire, quand je peux dire ça, là, qui je peux expliquer? Je peux expliquer qui nous vient conscient et nous guette qui nous a fait et nous faire. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de droit de faire manifestation. Je ne peux pas dire. Et je ne peux pas empêcher faire manifestation. Mais seulement moi personnellement, je ne peux pas dire faire manifestation. Je peux dire ça franchement. Mais seulement, chaque action qui nous a fait pour supporter sa cause-là, qui d'après Sharia, sa action-là, halal, nous devons faire. D'après nos capacités. Right? Alors, comment on dit? Rasoul Sassam nous dit que si un petit écho souffre, un petit écho gagne la fièvre. Mais si je n'ai pas gagné la fièvre qui est arrivée, je n'ai pas gagné la fièvre. Anesthésie, what is it? Il y a anesthésie, il y a anesthésie dans le dialogue, il y a anesthésie à cause d'Unia. Ça n'a pas fait ou non, parce que je peux guetter, nous, dans le mariage, ce qu'on peut développer. Je peux guetter ça, développement dans le mariage, là. Et il y a un développement rapide, comment dire. Comment dire, version là, sorti version 1, il y a une version 10, c'est le coup. Il n'y a pas de version D, doucement, il peut monter, non. Il sorti version N, mariage, il y a une version 10, c'est le coup. Il va passer par D, 3, 4, 5. Quand il y a update, quand il fait update, maintenant il y a une nouvelle version. Maintenant il y a procédure là, procédure 10, version 0, ça veut dire fait que sorti. Après maintenant il y a update, version N. Quand nous mariages, il y a une version 10 dans l'espace très, très, très minime, les temps. Right? Bon, ça c'est un peu ce qui. Un dernier point, c'est pas perdre l'espoir, là. Moussa al-Islam, il arrive devant la mer. Pour dire Yélix, ça n'a. Pharaon, ce man sahaba qui dit. Inna la mudrakoun. Pharaon, fini, nous l'aquons. Ya Moussa al-Islam. Pharaon, dit nous, la mer devant nous, nous finis, nous ne pouvons pas faire rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa al-Islam, qu'a la, mais non. Inna ma'ya rabbi sayahdi. Mon rab à moi. Qui fait mon rab à moi? Comment il connaît ce rab à lui? Parce que ce rab, il donne l'autre, fa'asri bi ahlika bi qit'im min al-layl, prends-toi un croyant, dans la nuit, sorti tranquille, toi, allez. Mais qui c'est qui donne ça à l'autre, sorti là? Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il finit dans révélation, il dit, allez, tu peux être suivi. Même tu peux être suivi, il ne faut pas te perdre. Continue de la route, toi. Il continue. Quand on arrive devant la mer, est-ce qu'il peut gagner un tracas qui fait rendre pour gagner lui? Quand c'est Allah qui nous donne ça à l'autre là, jamais, bon Dieu, Allah pour donner nous un autre qui n'a du tout de ça à l'autre là, pas possible. Right. Et aussi, éteindre la lumière de l'islam, Coran infini de nous, tranquillité. Je peux retenir la lumière d'Allah, je ne sais pas pourquoi atteindre la lumière d'Allah, dans Coran sur la Tawbah. Dans le hadith, il dit que tout le temps qu'on a un groupe du monde pour tenir ferme, les autres dînes, quand il dit, quand ce groupe du monde a été, Rasoul Sassam dit, alentour de Baitul Muqaddas. Et Rasoul Sassam aussi dit, pas pour faire dito, ça va une lutte là, ceux qui délaissent ou bien ceux qui opposent. Et dans Sahih Bukhari, Rasoul Sassam dit, tout le temps, ce ummat, pour y avoir un pour tenir ferme, l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Et si nous souffrons, les autres aussi peuvent souffrir, wa sallallahu. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.